La plateforme d'orientation des nouveaux bacheliers est un outil qui permet de faire le recueil des choix de filière en vue de leur orientation à titre de boursier, de formation partiellement payante et d'aide universitaire. En tapant l'adresse https://aprèsmonbac.bj, il y a une page qui s'ouvre devant vous. Et là, la première des choses, c'est que vous devriez vous authentifier. Vous entrez votre numéro de table du bac, vous validez, le système vous reconnaît. Ensuite, il vous demande votre note en français, puis votre date de naissance. Dès que vous êtes reconnu, le système vous permet maintenant d'activer un compte sur la plateforme. Pour l'activation aussi, il y a des informations qui sont demandées, à savoir une adresse électronique, un mot de passe qu'il faut confirmer et un numéro de téléphone. Donc, il est important d'avoir une adresse électronique correcte, valide, et un numéro de téléphone correct aussi. Une fois que ceci est fait, votre compte est activé. On a recommandé que sur les trois choix, il faut faire le choix d'une faculté. Ceci pourquoi? Alors, dans les facultés, il y a tout aussi bien des allocations, à savoir les bourses, que les aides universitaires. Et il est important pour les bacheliers de ne pas aller s'engouffrer uniquement au niveau des entités de formation professionnelle. Quand vous effectuez un choix, vous venez sur la plateforme, déjà vous voyez des statistiques qui vous montrent le nombre d'inscrits dans votre filière de choix, le nombre de personnes inscrites avec les différentes mentions disponibles. Ça permet de vous donner une orientation et de savoir est-ce que vous avez vraiment de la chance en vous inscrivant dans cette filière ou pas. Après cette première phase, il y aura la phase des titres entièrement payants.